démarrer à la première quinzaine du mois de juillet 2022, les travaux de construction de la route nationale numéro 1 Mbujimayi-Kananga s'enlisent. La cause principale évoquée par l'entreprise égyptienne Samcrete, qui avait gagné ce marché à la suite d'un appel d'offres international, c'est la problématique du transport des équipements, engins et autres matériels pour la mise en œuvre de ce projet. Et pour trouver une solution urgente afin de pallier à cette situation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a diligenté à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, une mission mixte composée des délégués de la présidence de la République, du ministère des Infrastructures, des gouverneurs des provinces du Kasaï oriental, Mathias Kabeya, et celui du Kasaï central, John Kabeya, ainsi que du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, avec à sa tête le directeur général, Bertin Modimo Tshisekedi. L'objectif principal de cette mission mixte a été celui de vérifier l'existence des équipements et engins de la société égyptienne Samcrete en attente d'expédition à Mbujimayi via Moneditu, mais aussi d'étudier les voies et moyens avec la Société nationale de chemin de fer du Congo, la SNCC, afin de rendre possible et de façon continue les transports des équipements, engins et autres matériels des entreprises engagées dans la mise en œuvre des projets du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Voilà la raison d'être de cette réunion technique tenue à la direction générale de la SNCC avec toutes les parties prenantes dans le cadre de l'opérationnalisation de ce projet. Après cette réunion technique, sous une pluie battante, la délégation a été sur le terrain pour constater l'existence des équipements. D'ores et déjà, le directeur général de la SNCC, Fabien Mutombe Kan Kato, a confirmé à la délégation l'expédition à Moneditu. Depuis les 10 janvier en cours, des 4 sur les 9 grands engins appartenant à Samcrete, disponibles à Lubumbashi, et que présentement, la SNCC continue d'attendre la réception de 5 autres grands engins. Et justement, concernant ces 5 autres engins, la délégation a été informée qu'à la suite d'un contrat de sous-traitance, l'entrepreneur Samcrete, conformément aux lois de la République démocratique du Congo, a souhaité que certains travaux de construction de la route nationale numéro 1, Mbujimayi-Kananga, soient exécutés par le sous-traitant Géo-Katanga. Et ce dernier a dû acheter localement auprès de services Machinery Trex SMT ces 5 engins, dont une niveleuse, une chargeuse, une pelle excavatrice, un compacteur et un bulldozer. Tous ces équipements ont été présentés à la commission mixte. Enfin, s'agissant du projet de construction de la centrale photovoltaïque de Tipuka à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbujimayi, la délégation a visité l'entrepôt où sont entreposés les panneaux solaires issus des 40 conteneurs qui traînent encore à Lubumbashi. La délégation a reçu les assurances d'un compromis trouvé entre le partenaire logistique du FPI, Trade Service, et la SNCC pour l'organisation rapide d'une rotation pour l'acheminement de ces équipements vers Tipuka via Moneditu. Il a aussi été révélé à la délégation que le tronçon routier compris entre Moneditu et Mbujimayi est dans un état de délabrement fortement avancé. Le parcourir est un vrai défi des combattants.